Moi, tu sais, ça fait plusieurs années que j'aime bien louer des maisons l'été et inviter mes amis. Et il y a quelques années de ça, c'était... Maintenant, c'est en Italie plutôt, mais il y a quelques années de ça, c'était sur la côte, ce qu'on appelle Super Cannes. Vous me faites toujours rire. Super Cannes. Et quoi, Diane faisait partie... C'est au-dessus de Cannes. C'est quand t'as pas assez de blé pour habiter à Cannes. Super Cannes, c'est Sid Charisse. Super Cannes, on l'appelait comme ça. Et moi, les plus belles jambes. Hey, c'était il y a longtemps, Thierry, tu rigoles, mais c'était pas... Et moi, tu sais, j'ai jamais fumé... J'ai fumé à l'âge de 38 ans des cigarettes et je ne suis pas fumeur de pétard, quoi que ce soit et tout ça. Bon, bref. Mais, sauf que cette année-là, et on raconte, tant pis, cette année-là, on se retrouve à un dîner où quelqu'un, je dirais pas qui, mais à quelqu'un de notre entourage dit « Ah, mais tu prends un petit pétard. » Bon, on se le fait passer. Et Bruno Mazur a dit « Ah non, moi, je ne fume pas. » Bon. Et cette personne que vous reconnaîtrez avec l'accent que j'ai fait, non, c'est pas grave, hein, si tu fumes pas, on va faire des gâteaux. Depuis un peu de... Gilbert Rozon. Voilà, je n'ai pas cité son nom. Attends, là où tu mens, c'est qu'il a pas dit à tout le monde. Hein. Non, et on va faire des gâteaux, là, puis on va mettre ça dedans. Et moi, j'étais en cuisine, là-bas. Et on arrive le soir, et moi, je n'ai jamais de ma vie, moi, je suis innocent, j'avais goûté ça, et on se retrouve tous à bouffer ça, sauf Diane, qui... Pourtant, il faut dire d'abord, elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. Qui, donc, dis-moi, je n'en prends pas. Dans un état tout... Et Mazur, effectivement, à un moment donné, s'est retrouvé au bord de la piscine, avec une couverture ça. Et il scotchait, parce qu'il n'avait jamais fumé même du tabac, tu vois. Et là, il croyait mourir. Et c'est Diane qui l'a réconforté. Et effectivement, à un moment donné... Moi, je viens le voir, je lui dis ça va, parce que je soignais. Oui, j'étais l'infirmière. Fais comme si j'étais Bruno Mazur. Ben, je lui dis ça va, Bruno. Toujours à tous les rôles. Oui, alors... Je lui dis t'inquiète pas, ça va passer. C'est que de l'angoisse, tout ça. Et il avait la couverture. Je te jure, je croyais. Ouais. Moi, je croyais que tout le monde allait mourir. Ouais. Je savais que personne allait mourir. Mais tout le monde avait une angoisse. Ouais, je connais le mauvais trip, quoi. Mauvais trip. Il avait la couverture comme ça. Il était en train de mourir. Et il me dit, tu veux que je te montre ma bite? Je te jure que c'est vrai. Bruno, c'est comme... Et j'ai dit, non, ça va, j'ai autre chose à faire. Et il me l'a envoyé par la poste. Un moulage. En photo. Attendez, alors moi, la première fois que j'ai fumé d'un truc, là, c'était chez Eddie Barclay. Je vivais à ce moment-là avec Jacques Martin. Et beaucoup de gens fumaient, dont un chanteur dont j'ai oublié le nom. Enfin, il y avait des gens qui fumaient, c'était à 30 ans. Jodassin. Non, un autre, il était vivant. Bah, il est mort, l'autre. Jean Dassin est mort. Oui, je suis sûre. quelle importance. C'est pas possible. J'aime les morts, moi. Et j'ai voulu, moi aussi. Surtout lorsqu'ils nous parlent, quoi. Donc, là, ça me souvient... Et on me dit de fumer. Alors, je fume. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à avaler. Ça, souvent, les jeunes filles. Oh, mon Dieu. Les jeunes filles, c'est souvent comme ça. Et j'étais pas élevée. Quelqu'un me bouche le nez, on me couche sur la table. Il était à ce moment marié avec une certaine femme. Je parle de Barclay. Et enfin, j'avale. Et Jacques Martin, le père de mes enfants, était parti dans le salon un peu plus loin. Et moi, enfin, comme j'avale, on m'avait fermé les oreilles, le nez. Ça commence à faire de l'effet. Et là, je me suis rendu compte que... Je suis désolée de vous dire ça. Que je pensais qu'au cul. Ça nous étonne. Tu veux pas savoir comment ça me surprend? Je me suis non mise à tu n'as jamais entendu parler de cul, Pierre. Non. Et dans le salon à côté, j'ai vu Jacques qui était en train de parler avec plein d'amis. C'est l'heure de rentrer, Thierry. Thierry, dis-nous un truc. T'es sûr qu'il n'y avait rien dans les coquillettes? Tu penses pas que c'est... Donc, je vais donc dans le salon retrouver Jacques. Et là, j'étais dans un état, j'avais avalé des taffes, oui. C'est ça, hein. Et là, je me suis rendu compte que... Et je dis, tu as peur quand je suis ridicule. Pourtant, en rentrant, il faudra bien que tu m'encules, oh putain. Oh mon Dieu. Jacques Martin. Il se trouve que, après cette soirée mémorable, où finalement on avait tous eu un mauvais trip, parce que vraiment on n'était pas habitués à ça... Il était prévu que le dernier soir, le soir où on doit rendre la maison, on recommence. Et voilà, et c'est parti, et on fout ça normalement dans des brioches qu'on fait. Bon. Ouais. Et là, ce jour-là, un attaché de presse qui se trouve dans ma maison dit « Est-ce que ça te gêne que X, je ne peux pas dire son nom, mais vous allez comprendre tout de suite, je vais le dire quand même tout à l'heure, que Madame 1 vient, elle va faire l'Olympia bientôt, elle vient avec nous dîner ce soir, est-ce que ça t'embête ?» Je dis « Non, c'est... Enfin, non, ça ne m'embête pas. Elle devait venir déjeuner, elle appelle au dernier moment, elle dit non, je ne peux pas venir déjeuner, je vais venir dîner. Elle arrive, et c'était déjà préparé, tu vois, tout ça.
Et elle s'installe. Je peux te dire qui c'est. Non, mais... Ah, je l'aime. C'est Annie Cordy. T'as fait fumer Annie Cordy. Attends, c'est terrible ce qui arrive. C'est pire que ça. C'est pire que tout. On est 6-7. Et Annie s'installe à table et on rigole et on s'amuse. Et arrive. Non, il faut que je dise qu'il y en avait dans les brioches et que pendant que les autres étaient partis à Intermarché avec 2-3 potes, on se dit « on en mettrait bien aussi dans le taboulé ». Et on en fout dans le taboulé. Il faut jamais faire ça. Non, je le dis sérieusement. Non, dans le taboulé, moi, j'ai arrêté quand même. Non, mais il faut jamais faire ça parce que c'est vraiment dangereux, quoi. Surtout avec une dame d'un certain âge comme cette dame. Et alors on mange le taboulé. Et au bout du... À la fin du taboulé, c'est parti. Ta-ta, yo-yo. Et toute la table. Et on en était mais malade parce qu'on l'avait pas fait exprès, vraiment on voulait pas faire non, ça. Mais attends, ça fait vraiment de l'effet. Je peux vous dire quelque chose. Pire. Je n'ai aucune expérience, aucune expertise, comme on dit maintenant. Il avait une grande expertise. Bon, aucune expertise sur. Pardon, Annie, pardon. Sur ces choses de paradis artificiel. Mais je sais par récit et aussi pour en avoir un peu tâté de ces trucs. Quand on fume du hash. On peut doser, on peut savoir à chaque bouffée où on en est. Mais quand on en met dans un gâteau, ouais. Moi j'ai un souvenir d'un gâteau au chocolat où on avait mis, au Maroc, ils avaient mis du hashish qu'ils avaient acheté qui était 48 fois plus fort que le hashish qu'on achète à Paris dans le gâteau. La pure. Et j'ai vu des femmes se dépoitrailler devant leur mari banquier en disant « Tu m'as jamais vu comme ça dans un dîner ?» Et les mecs qui disaient « Quel est drôle, je m'en fous, moi j'en ai rien à foutre !» Non, ça peut rendre fous les gens. C'est très dangereux. Jamais en manger. Très dangereux, jamais faire ça. Il faut non plus pas en fumer. Et alors, il faut quand même que je raconte la suite. Dans la nuit, on était tous persuadés qu'elle allait... Mourir, faut dire. Laurent. Pardon, excuse-moi. Qui chantait Tata Yo-Yo? C'était vous? Nous. Il y avait Frédéric Lemoyne, imitateur, qui reprenait toutes les chansons d'Annie Cordy, chantées par Dalida, chantées par Marie, chantées par toutes les voix. Et elle aussi. Et c'était parti. Puis plus ça allait, plus on se sentait mal, et particulièrement elle. Et elle dit... Vous avez mis un truc. Je sais que c'est pour surprise. Ah oui, comme il y avait Rosa. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.